Eh bien, bonsoir à vous. On est parti sur une présentation de map. Elle est sortie il y a 2-3 jours de ça à peu près. C'est le Wild Kiwi Farm. Elle est sortie il y a quelques jours. Et là, du coup, je vais faire une petite présentation de map. Donc, cette vidéo-là sera à partir de 6h30, 7h samedi sur mon live. Quoi, sur ma page YouTube, les amis. Donc. On va regarder le PDA, c'est une petite carte assez sympa. C'est une map qui a 46, 48, 50, 52 champs à peu près. Donc comme d'hab, on met tout ça comme... Donc là il y a le poulailler en plein air. Et il s'arrête juste là en fait. C'est les poulaillers en plein air. Là on va aller voir ce qu'il y a là. Ah, on commence avec une CRECH 770 de chez Newland. On a tout, on a la barre de maïs et la barre de croûte qui est derrière. Après un matériel, je vois une petite classe, j'ai l'impression. Classe Zarion, hop, c'est un combien? 610. On a le T8, je pense, ou T8 ou T7. T7, ouais, T7. Et on le voit de plus en plus, ce petit tracteur, le Burek. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc, on commence avec du petit matériel, c'est bien. Semoir à maïs, semoir à engrais, quoi. Pour tout ce qui est blé, orge, tout ça. Un petit cultivateur, une charrue et un épandeur à engrais. On a le silo qui est là. Ça c'est bien, ils le font de plus en plus. Et ça aussi, ils le font de plus en plus sur les parties. C'est un petit point d'eau. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc on va aller voir le PDA, on commence à combien de champs? On commence avec le 44 et le 52. Ça va, c'est raisonnable. Les champs ils sont pas si vraiment chers, je pense pas. 301, c'est quand même, ils sont un peu chers quand même. 325 euros, 335. Je trouve ça un peu cher quand même. Là, bah, c'est le truc de base, pâturage à moutons, pareil, c'est les moutons en plein air, je pense, ouais. On peut aller voir, on peut le faire. Attendez, on va en mettre plus que ça. Hop, c'est en plein air, voilà. C'est bien foutu, j'aime bien. Ah, par contre, on peut pas ouvrir la porte. C'est nickel, franchement, c'est superbe. Ça aussi, le met de plus en plus maintenant. Ces petites stations pour l'engrais et tout ce qui est engrais. Et là, c'est quoi? C'est pour réparer le camion. Les réparer. Okay, c'est cool. Petite vue à l'extérieur, quoi, en hauteur, pardon. Merde, excusez-moi, j'ai mon portable qui a failli se casser la gueule. On va faire un petit screen. Parce que après
Après, je vous laisse découvrir, hein, parce que des fois j'en fais un peu trop dessus sur les présentations de Nov, de demain, pardon. J'en fais un peu trop, donc je suis un peu à la recherche. Je ne sais pas si je fais en plusieurs dossiers, je peux le mettre en plusieurs. C'est point. Et bah voilà les amis, c'était une toute petite présentation de map. Elle est sortie il y a 2-3 jours, elle sera sur mon compte YouTube à partir de 8h ou 6h30, je sais pas, ça dépend, mais elle sera à partir de demain matin sur mon compte YouTube. J'essaie de faire tous les jours une présentation de mode, de map, pardon. Et là je vais approfondir le truc, je vais faire des sélections de map avec du nouveau matériel à peu près. Essayer. Donc voilà, je vais ça va faire encore plusieurs recherches et puis voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye.